passé, présent, futur. Alors, comment va-t-on savoir où nous nous situons? Alors, ça va être assez simple. Il y a la ligne du temps. La ligne du temps, elle est représentée par cette longue flèche. Voilà. Nous nous trouvons ici. Ici, c'est le présent. C'est maintenant. Quand je peux dire maintenant, j'ai le présent. Quand je peux dire demain, quand je peux dire plus tard, quand je serai grand, dans 5 ans, tout ça, ça va être le futur. Alors, c'est simple parce que pour le présent de l'indicatif et pour le futur de l'indicatif, nous n'avons qu'un seul temps pour le présent et le futur. Par contre, pour tout ce qui va être le passé, ce qui s'est passé avant, il va y avoir plusieurs temps. Alors en CE1, CE2, nous allons voir deux temps. Il va y avoir, quand on peut dire hier, on va avoir le passé composé. Alors comme son nom l'indique, il est composé de deux mots. Et il va y avoir également, donc en CE1, CE2, nous allons voir également un passé plus éloigné qui va être autrefois. Quand je peux dire autrefois, je vais avoir l'imparfait. Voilà. Ici, je vais marquer présent. Donc, si je dis maintenant, je mets mon mot magique pour ne pas me tromper. Maintenant, l'oiseau chante. Je vais transformer cette phrase, je vais la mettre maintenant au futur. Au futur, je prends mon mot magique, demain. Demain. L'oiseau chantera. Très bien. Si je mets au passé composé, je vais mettre mon mot magique. Hier. Donc, hier, je reprends ma phrase. Donc, maintenant, l'oiseau chante. Hier, l'oiseau a chanté. Voilà. Maintenant, à l'imparfait, je mets mon mot magique de l'imparfait, autrefois. Donc, j'écris autrefois. Autrefois. L'oiseau chantait. Nous allons faire donc des exemples. J'ai préparé un gâteau. Alors, est-ce que je peux dire maintenant, j'ai préparé un gâteau? Non. Est-ce que je peux dire demain? Demain, j'ai préparé un gâteau. Non. Demain, je préparerai un gâteau. Donc, ça ne va pas. Est-ce que je peux dire hier? Hier, j'ai préparé un gâteau. Oui, je peux dire hier. Quand je peux dire hier, j'ai le passé composé. Donc, cette phrase est au passé composé. Alors, pour le moment, je peux dire le passé tout simplement parce que ces deux temps font partie du passé. Hein? Tout ça, c'est le passé. On a le droit de dire le passé.
Donc là, on sait que c'est le passé composé parce qu'elle est composée des deux mots. Tu viendras à la maison. Est-ce que je peux dire maintenant? Maintenant, tu viendras à la maison. Non. Maintenant, tu viens à la maison. Est-ce que je peux dire demain? Demain, tu viendras à la maison. Oui, je peux dire demain. Quand je peux dire demain, il s'agit du futur. Donc, cette phrase est au futur. Nous marchions dans la forêt. Alors, est-ce que je peux dire maintenant? Maintenant, nous marchons. Pas nous marchions, ça ne va pas. Est-ce que je peux dire demain? Demain, nous marcherons. Ah non, ça ne va pas. Est-ce que je peux dire hier? Hier, nous avons marché. Non, ça ne va pas. Autrefois, nous marchions. Oui, autrefois, c'est l'imparfait. Donc, cette phrase est à l'imparfait. Elle est à l'imparfait. Elle dessine très bien. Est-ce que je peux dire maintenant? Maintenant, elle dessine très bien. Oui, je peux dire maintenant, elle dessine très bien. Donc, il s'agit du présent. Cette phrase est au présent. Donc, maintenant, nous savons choisir entre les temps du présent, du futur et du passé. Voilà, bravo !